dans bataille contre corruption et surtout bataille et pour nous garder un procès équitable et pour deux pour 4,2 milliards de dollars qui voulaient qui disparaissent tant qu'on l'a fumé et la pays. En 2018, il était au niveau de réflexion. Là, nous en 2019, qui ça fait depuis qu'il est vraiment regroupement ça fondé? Et Jean Zola et que en 2018, notre stade, en mai 2018, nous étions en cellule de réflexion. Okay. Ça fait environ, nous, ça fait environ 4 mois depuis que nous sommes censés très actifs, nous avons ça, très actifs parce que nous avons mis des pétitions dehors et nous avons mobilisé environ 400 membres. Et ceci nous avons pile tentacule, cellule en pile côté de la diaspora. Et nous avons gros cellule qui est la République dominicaine qui travaille ensemble avec nous. Et nous estimons que qui prêt pour vraiment participer dans la grosse bataille ça. Parce que nous n'avons pas oublié que notre bataille contre le système. Notre bataille contre le système. Et ce système ça que nous avons facilement nous disons là, qui mandait que pour nous regrouper, non, pour nous regrouper avec force, avec des Haïtiens authentiques, des Haïtiens, de vrais Haïtiens qui voulaient battre tout le monde, qui voulaient craser ce système-là. Donc, nous relais le regroupement regroupement des Petro Challengers, ou des Petro Challengers. Donc, si nous comprenons bien, c'est dossier Petro Caribéa qui est nous ciblé. Oui, nous ciblons dossier Petro Caribéa, oui. On nous dit que nous ciblons également corruption dans le pays, à tout. Parce que l'autre corruption dans le pays, nous devons regarder tout élément qui fait que la corruption dans le pays. Est-ce que ce sont des choses qui étaient comme ça pour que les gens vraiment en venir? Mais j'en dis, ah non, bon problème. C'est-à-dire, problème qui vient, je vous dis là, on regarde qui force qu'a mené la corruption. Et ça, c'est un système. Parce qu'il force que nous. Pour les choses, vous devez poser une question? Donc, monsieur Bijou, si non, je fais ça bref. Est-ce qu'on est capable de nous, en quelques mots, objectif regroupement ça? Jean Zola, objectif regroupement, c'est mettre pression et pour joindre justice pour 4,2 milliards de dollars que on équipe jeune femme et jeune garçon mettent ensemble pour détourner avec complicité communauté internationale là. L'homme dit complicité communauté internationale, là, je voulais parler directement. Parce que, monsieur, c'est lui, monsieur. Si on parle de complicité internationale, on parle directement de les États-Unis d'Amérique. Pas rien de la donne. Donc, si je comprends bien, tout le monde qui vient de être trempé dans les affaires Petro-Caribé, ça, nous voulons mettre en bas code. C'est ça. Ah oui, évidemment, et ça fait après que la pétition et la notre note de presse nous est sortie pour mois dernier, nous était clair sur lui, nous disons ça que nous-mêmes, opposition, nous n'avons pas de problème du tout avec l'opposition. Hein. Parce que il y a des éléments, il y a des figures dans l'opposition hein, qui bataillent, tant qu'on apprend, on avocat, tant qu'on André Michel, nous reconnaît participation de monsieur, et pour être déclenché pour CA, ok? Ensuite, nous reconnaît que Moïse Jean-Charles également, sénateur Moïse Jean-Charles, nous reconnaît et que monsieur c'est un instigateur, côté que, et qui te permet de signature et programme ça. Mais, et nous reconnaît tout. Opposition, Jean présenté là, nous estimons que n'est pas bon pour nous participer à notre transition, parce que c'est transition qui ça nous voulait, parce que nous voulons jouer dans Moïse Allé, ça c'est clair, ça c'est positionné, c'est pour jouer dans Moïse Allé. Ok, nous commençons à comprendre, et ça mène nous pour ce qu'on a l'autre question, c'est pas qui procédure nous passer, nous capables privés, mais tout le monde ça y est, dans prison, est-ce que nous pensons que n'a pas fait comme ça vraiment? Bon, on garde ça clair avec le régime qui est là, c'est sûr que avec le régime là, qui est là, non, c'est sûr que nous pas capable de joindre justice, c'est sûr. D'ailleurs, pour nous joindre justice, soit premier bail c'est craser le régime là. Après ça qu'on est là, nous demandons pour le gouvernement de transition, nous clair joli. Et le gouvernement de transition ça nous c'est de nouvelles têtes, de nouveaux visages, des jeunes. L'aime du jeune, ça dit que et li, on sait des gens qui ouais et bagayon l'autre gens parce que au conseil de vieux là qui là la politique là qui je vous dis hein, ce sont des monnio qui vraiment est mélangé parce que ce sont des monnio qui vraiment pas fiable monde ça pral compromettre comme et pral bail problème pral résoudre des problèmes
pour gouvernement de transition qui va venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à une justice. Parce que là, sous le ministre, sous le directeur général, il y a un problème déjà dans la question Petro-Caribé. Même là que je vous dis à la nouvelle que le patron Jovenel Moïse, l'OEA, voulait défendre du côté que pour l'entrée dans la Cour supérieure des comptes, qui c'est seulement l'institution qui l'a pour gérer le mode d'emploi, l'argent de l'État. C'est-à-dire que si nous sommes avec M. Sao, qui l'a, demain si Dieu veut, nous ne pouvons pas faire un procès parce que quelqu'un pour raison pour l'autre, bon monde qui l'a, il y a pour le bal à la justice, même son ministre, mais nous ne pouvons pas faire ça comme ça encore du tout. Nous avons de nouvelles têtes qui sont posées là, clair. Monsieur Bijou, nous comprenons que vous voulez jouer pieds et mains, on est avec tout organisme là, pour nous capables de jouer une comme ça. Mais pour qui ça nous oblige à mêler dans l'affaire départ président Jovenel? Au lieu que nous quittions ça à acteurs politiques, nous quittions régler ça plutôt. Mais non, attendez, même chose, je dis encore. C'est-à-dire que l'éclair avec. D'ailleurs, en sérieux, c'est le premier rapport qui était sorti. Le rapport, c'était le rapport. Et beau plan que tu fait, nous songeons que tu as un rapport à la torture après. Après, et le président contesté deux rapports à eux, il dit bon, le rapport, c'est le rapport politique. Il dira que vous ne pouvez pas dans la Cour des comptes. Il est tombé dans la Cour des comptes, l'élève est dans la Cour des comptes, bon, il y a un premier tranche rapport, un deuxième rapport.